Occupons ça et reprenons le jeu. Alors, et oui, j'ai mis Kainé. Kainé, c'est ma chouchoute, c'est ma préférée. Et puis voilà, c'est Kainé, elle est mignonne. Alors, je vais dire oui car on est complètement couillons et gamins. Maintenant, écoute-moi bien. Un vil cavalier du désert m'a infligé cette terrible blessure, odieuse malédiction. Là, j'ai juste dire parce qu'elle a une merde. Lord, si je fais ça en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de montage. C'est dans Twitch TV lui-même. Ça, je vais dire de telle minute à telle minute. Ça va être ce morceau là qui va être envoyé sur YouTube. Donc, je me permets de prendre cette image. Donc, reprenons avant que Lord nous fasse toujours des remarques un peu gelesses. Mais bon, on va pas lui en vouloir, il connaît pas très bien Twitch aussi. L'homme maléfique ne cesse de faire appel à ses sombres et vils pouvoirs pour trouver le saint royaume relié à Hyrule. Car dans le saint royaume sommeille la divine relique, la Triforce. Oui, je sais que j'ai à régler, mais j'ai envie d'avoir un repère. Je veux mon repère à moi. Pour comme ça, je me dis, tiens, il y a cette image-là, il y a ça. Donc, ce sera là où je coupe. C'est un tissu de toute façon, je verrai ça soit avec toi, Jassia, ou Sombre Lame. Parce que je connais pas très bien le topo. Mais... j'aurai à voir si on voit le... bah, si on voit ma description, que j'ai mis un programme, soit je me suis fait... comme un tard et j'ai mis un truc qu'on voit un bébé code, soit il y a rien qui apparaît ou soit le truc est posé nickel. Donc, vous me direz ça après le stream car peut-être enfin bref, je retourne au jeu car j'ai pas trop tenté de temporiser. Plus vite ce let's play sera clé, plus vite les fans seront enfin tranquilles. Et donc, je reprends là où j'en étais, j'en suis désolé de temporiser au ce point. Car dans le saint royaume sommeille la divine relique, la Triforce. Eh, c'est ce que je mets à Irelia tous les jours quand je... Et qu'est-ce qu'elle adore ça, Irelia, la Triforce. Ah là, c'est une coquine. Renferme des pouvoirs comparables à ceux des dieux. Avant le début du temps, avant que vie et esprit n'existent, trois déesses d'or et de lumière descendirent sur la masse chaotique qu'elle allait devenir Hyrule. Din, déesse de la force. Neryu, déesse de la sagesse. Faror, déesse du courage. Bah, qu'elles sont toutes les trois bien habillées, qu'elles... De toute façon, dans le jeu, il n'y a pas de boobies, techniquement. C'est un jeu Nintendo et c'est Link. C'est pour ça que pour moi, c'est pas tellement la joie. Mais bon. Dune. De ce bras enflammé, elle scruta le sol et cria la terre rouge. Neryu. Elle inonda de sa sagesse la terre et apporta ordre et loi sur ce monde. Oui, je sais, car pour beaucoup. Ah, d'accord. Par ordre, dans son âme infinie, elle donna vie aux êtres issus de l'ordre de la loi. Je verrai bien ça, Jassia. Oui, je vais prendre ma voix normale. S'il a fini là. Mais bon, ouais, je suis un des boobs, c'est des boobs, hein, tant que c'est une fille, c'est un peu pointu, hein. Leur départ fait alors apparaître en triangle seul vestige de leur pouvoir. Je reprends après, tout à fait, conquérant bon, écoute. Depuis le triangle sacré symbolise l'essence de notre création, et depuis ce jour, le saint royaume est le berceau du triangle de justice. Ah, c'est pour ça qu'on a les champs de justice alors, mince.
merde. Je ne dois surtout pas laisser l'homme du désert en armure noire au bout de l'enfer noir s'approcher de la sainte Triforce. Et tu ne permettras jamais que cet homme au cœur si mauvais puisse s'immiscer dans le très saint royaume des légendes. Ce vil chacal m'a jeté cette malédiction infecte et mortelle pour saper mon pouvoir. Ce sort, s'il n'épate, me promet un trépas imminent. Même si tes vaillants efforts ont raison de ces maléfices, mon destin est scellé depuis le début. Hélas, je ne peux ni soustraire. Le roux, c'est le mal. Ben, leur déframe aussi, c'est le mal. Hélas, je ne peux m'y soustraire. Le moment fatal est proche. Ne te lamente pas sur mon sort. Je t'ai transmis mon savoir. Tu connais la vérité maintenant. Mon rôle s'achève ici. Tu es le dernier espoir d'Hyrule. Link, au château d'Hyrule, tu y rencontreras la princesse de la destinée. Et sois pas surpris si elle n'est pas terrible. Et que même c'est un tempête canon. Prends cette pierre. Elle est la cause de la malédiction jetée sur moi par l'homme sombre. Ah non, je croyais que c'était Nika, merde. Oh, le fail de doublage. Ah, le faible. Le gros fail, le report date, nous t'attarde. Je croyais que c'était Nika. Flûte. Gaffe à pas mettre de bâton dans les... Alors, voyons voir. Pas aussi loin que tu veux. Hein? Nub. Vous recevez les mots de Kokiri, cette pierre ancestrale de la forêt vous est confiée par l'arbre vénérable Arbre Mojo. Le destiné du monde dépend de tes actes. Lutte, tu es courageux et vaillant. Nika, belle petite fée, aide Link dans sa quête. Même si tu veux être juste chiante et tu n'as pas de boobs pour l'aider. T'es un peu chiante, mais t'as de l'intelligence. Je t'en prie. Nika, adieu mon cruel. Et tu, j'ai enfin fini de parler dans ce... Bye. Et voilà. Bon ben, il s'est fait. Allons au château d'Hyrule, Link. Adieu, vénérable arbre Mojo. En fait, je vais. Pour l'ordre, bah... Oui, Tsukube m'a fait ça. Et alors? C'est plutôt bien. Et Nika, c'est en référence à... À une femme qui s'appelle Nikazor. Et... comment je pourrais dire? Et elle est tellement toujours à être chiante, à être vraiment à dire « Hey, listen! Hey, listen !» Toujours à dire des trucs comme Navi. Donc je me suis dit « Allez, je vais l'appeler Nika, puis c'est pareil. » Voilà. Hey Link, qu'as-tu encore fait? Le très vénérable Mojo, il est mort. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Tout est de ta faute. Nous allons tous mourir à cause de toi. Ouais, on va. C'est Nikazor. Et puis, y'a que moi qui peux dire du mal d'elle, car. Car vous savez pas qui c'est, vous avez jamais vu ce qu'elle. Si j'allais voir la gamine, la Saria, c'est vraiment un connard le type qui te bloque le chemin. Tu sais, justement, Conker, si je pouvais, je lui aurais déjà mis 4 coups d'épée dans la gueule. J'aurais demandé à cette chère Nika de lui bouffer les yeux avec les dents. Faire là des dents. Bon, où es-tu, Saria? Elle est plus là. Saria! T'es encore là, toi? Bon, bah. C'est vraiment un connard le type qui te place le chemin. Oui, je sais, c'est un gros connard, c'est un gros connard. Mais j'aurais bien aimé croiser Saria avant de. Non, Saria a des cheveux verts.
Il n'y a plus le type. Ça va être... tu vas être content, tu peux te barrer. Ah, Saria! En tout cas, toi, au moins, t'es bien plus intéressante que l'autre princesse que je vais aller voir. Car je suis sûr que c'est celle-là que je vais aller voir. J'ai toujours su qu'un jour, tu quitteras la forêt, Nick. Car tu es différent de nous. Bah, j'ai une fille qui s'appelle Nika. Drop? Sérieux? Y'a un drop? Ah merde! Ah oui! Ok! Bah, je crois que je sais à peu près pourquoi, mais c'est pas de ma faute. J'y suis pour rien, je suis innocent. Ça marchait très bien il y a. Quand j'ai commencé le stream. Dites merci à Free qui pond les emmerdeurs de première. Voilà. Alors. Donc je retourne à ce que je disais. Alors. 180 kbps. Ah ouais, frame perdu 32%, FPS 25. Eh bah, sorry, my bad. Bah oui, je vois, je vois. Je vois, mais je vois pas comment je pourrais réellement faire pour me. Je vois rien de problème. Bah, son problème dit qu'il voit rien. Je veux que tu gardes cette ocarina, prends-en grand soin. Waouh, elle me donne un ocarina. Oh, Saria. Un personnage féminin qui. Alors, vous recevez l'ocarina des fées et assignez ce cadeau de Saria au bouton C. Puis, ouais. Assignez-le en appuyant sur la touche. Voilà. En fait, c'est ce que je lis en bas. Il y a écrit frame perdu 522 entre parenthèses 0,32. Pardon. Oui, c'est ça, 0,32. C'est moi qui ai oublié de dire le 0 et la virgule. Autant pour moi. My bad, my bad. Oui, je sais, vous allez dire. Ah là là, Misak, quelle tarde! Tu lis même pas correctement les infos! OMG! Qu'est-ce que t'es en train de faire? Je sais, je sais. Je sais! Je sais ce que vous allez dire, mais bon, c'est pas grave. Puis, Yassaria! Déjà, je donne un bon point, Yassaria! Yassaria, elle est mignonne! Même si les cheveux verts, genre. Maintenant, tu peux jouer le temps. Tout à fait, Lord! Les boutons A et Z correspondent à différentes notes. Appuie sur B pour arrêter de jouer. Bah moi je ferai pas la musique du bistrot. Moi je ferai une autre. Pense à moi au jour de l'ocarina et un jour peut-être tu reviendras me voir. T'en fais pas poupée, toi si je peux je te revois parce que t'es bien mieux que la princesse. Même la princesse Zelda, personnellement... Je suis sûr que si on prenait les vêtements de Zelda et qu'on mettait à Zerator, Zerator devrait être plus intéressant. Ah, et merde, j'ai pas lu la fenêtre. My bad. Excusez-moi. Chant. Chant, chant. Oh non, 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 la blague était mauvaise. Ah, c'est brave, ça rien. Alors. Alors donc, je vais être un peu plus sérieux. Pleine d'Hyrule. Donc, on est enfin dehors. Mais j'avais vu dans la vidéo du joueur du grenier qu'il y avait un hibou. Bon, allons-y. Normalement, je verrai peut-être un hibou. Houhou, Link. Regarde un peu par là. Prépare-toi, car ta noble quête débute enfin. Il m'a l'air bien chiant, donc je fais une voix chiant. Ton destin est tourmenté. Obstacles et épreuves t'attendent. Et jamais le courage ne doit te faire défaut. Va tout droit pour aller au château d'Hyrule. Une princesse t'y attend. Si seulement c'était une vraie princesse. Une vraie de vraie quoi. Avec les boobs, tout ça quoi. Une princesse. Je sais pas mais une vraie quoi. Tout ce qu'il faut là, oui, il le faut. Et pas une Aerys like. Qui je suis sûr qu'elle doit être cousine ou une sœur de Aerys. Ça a dû être dur hein, pour les funérailles. Bon.
J'arrête, allez, écoute. Si par malheur tu perds ton chemin, n'hésite pas à consulter la carte. Les contrées déjà explorées sont affichées à l'écran. Appuie sur Start, puis sur Z ou R pour trouver la carte. Je le savais déjà avant que tu me le dises. Sur l'écran de la carte apparaîtra un point clignotant indiquant la position de ta prochaine épreuve. M'as-tu bien compris? Oui, et je t'appelais alors. C'est pas la princesse Luna, c'est pas bien. La princesse Luna, je vois pas qui est. Et le matériel, ça tombe du ciel aussi. Je ne sais pas, Lord Ephraim. Bonne chance, brave petit. Et là, il y a la prochaine. J'ai envie de m'en... Il me donnerait presque envie de dormir. Donc, je vais l'appeler l'hibou d'Eric. Voilà, c'est décidé. Je l'appelle l'hibou d'Eric. D'Eric. Va dire non. Ah, je dis oui, hein, parce que je... c'est déjà super chiant. Donc, il me dit d'aller tout droit comme un gros tard. Bon, toi, tu m'as l'air d'être méchant. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une seconde bloc. Pas grave. Alors, la 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 la. Quoi, Nika? Le très vénérable arbre Mojo nous a demandé de rendre visite à la princesse du château. On devrait y aller, non? Bah je le cherche ton putain de château. Lui beau me dit tout droit, je vais tout droit, t'es pas content? Bah pour une fois que je vais écouter le hibou. Alors. C'est à 17h58, 2 minutes d'avance. Faudrait juste que je trouve ce putain de château. Non. Sur la carte, je suis essayé. C'est bon. Place du marché. Pleine d'irrues. Roche long. Roche long long. Bon. Par là, je vais suivre la lumière. Je vais dire, je vais faire ce qu'a dit le hibou. Oh non, mort de la map. Bon, hey, on dirait des cadavres de Yoshi. Enfin, j'espère qu'on va pas retrouver le Rookmoot de l'enfer, couleur de peau noire, hein, qui est quand même. Je trouve que ce jeu est raciste car. Il y a un méchant, il est noir et il est roux. Et il est méchant. Donc ce qui fait que. Donc ce qui fait que. On... Notre ennemi, c'est notre ennemi. Donc ce qui nous dit que les noirs et les roux sont nos ennemis de toujours. Merde alors. Non, je suis au château, je suis sûr qu'on va pas m'ouvrir la grande porte. Je suis Link. Et je suis le héros. Non, c'est le contraire, moi. Ouah. Dans la version officielle, hein. Oui, je sais qu'il fait nuit, alors. C'est quoi le problème, le fait qu'il fasse nuit? Je vais pas me dire que je vais attendre. Quoi? Sérieux? Putain, c'est la merde. Putain, je crois que le jeu va être casse-couille sur le jour et la nuit. Même si c'est pas un défaut en lui-même. Attends, devant la porte... Bon les zombies Yoshi. Oh en tout cas leur jour passe vite. Tu vas où? Ah ah vous crevez à la lumière du jour. Et je me suis pris un coup avec leur connerie. Bon, ceci ouvert, allons-y maintenant.
Ah, génial. Et toi là, gloire et longue vie à la noble famille royale Tyrus. Ouais, ok. Est-ce que je peux entrer là? Wouah! Ah là, le marchand de char va être content. Allez, on casse tout. Franchement, dans les jeux, je suis toujours étonné que on nous laisse piller ce cache. Les gens, on pète leurs biens, mais ils s'en foutent. Je sais pas, mais je pense que si j'allais chez quelqu'un et que je lui pétais tout, hein, par exemple, peut-être, je veux dire, je sais pas moi. Je sais pas, j'ai pas de nom à citer car selon que je citerai, je sais que je le paierai plus tard sur une compte de Skype. Hop. Donc on casse tout. Le garde, tu vois pas que je suis en train de tout casser. Et tu t'en fous. Ah bah voilà, j'ai pas besoin de me faire chier à les porter, il y avait pas en cire. De toute façon, vous inquiétez pas, il y aura la VOD. Enfin, les VOD car je vais mettre pour les 3 minutes et quelques, 30 minutes et quelques. Je vous laisse, je fatigue un peu, on se voit peut-être sur un autre stream. Et bah pas de soucis, sombre là, merci d'être revenu. De toute façon, ça va être bientôt la fin de mon stream. On continue juste un peu et après je vais m'arrêter. On va parler à ce brave homme. Alors, boire, je m'ennuie. Et s'il y avait un peu plus d'action, je pourrais m'amuser. Mais tu gardes ça pour toi, ok? Enfin, on peut toujours faire un peu de bruit en brisant ses jarres. Appuie sur... Le truc existe! Ouais! Mais merde, quoi. En gros, on peut péter ce qu'il y a dans le coin. Il s'en fout. Comment ça, je me prends pour le geek? Ah là là, c'est Lord Deathrave. Bon, on est à la place du marché. Y'avait pas un truc avant? Enfin, je vois pas ce que veut. Alors, quand tu dis que je me prends pour le geek, mais bon. Toi et ta. Ou attitude, hein. Je vais bien te laisser dire ça. Wouah! Ça va les gars, vous avez l'air d'avoir mal au vent. Ouah, il est dingue ce type. Il a essayé d'entrer dans le château pour voir la princesse. Zelda, il est dingue lui. À cause de ce crétin, ils ont doublé la garde. C'est malin, ouah. Je voulais voir la princesse Zelda, mais j'ai évité. Je nageais dans les douves. J'ai trouvé un petit trou d'évacuation sur le droit du château. J'aurais voulu m'y pisser, mais je suis resté trop coincé. Bon, il y a des poules, il y a tout ça. Ça danse. Bon, voyons voir. Alors, ça, c'est pour un bouclier, une baguette, des bombes. Ouais, ben. Comme quoi. Comme quoi, nos jours. Hein. En fait, dans le jeu, on nous propose d'acheter des bombes, des objets dangereux. Ah, là, des potions. Hein. Oh, vas-y, toi. Allez, hop. Là, je dois avouer que j'ai aucune blague à placer sur le fait qu'on soit sur une ville plutôt sympa. Foire au masque. Quelle étrange boutique, quand va-t-elle ouvrir? J'ai lu le panneau, je crois que c'est... Foire au masque, je vais lire cette affiche avant de faire appel à nos services. Fonction de la foire, ici les masques ne sont pas à vendre, mais ils sont confiés à un coursier gratuitement. Vous vendez les masques... Ah non, vous vendez le masque emprunté à votre convenance. Vous apportez l'argent et on vous le confiera un nouveau masque. Vous pouvez emprunter un masque déjà vendu sans pouvoir le vendre de nouveau. Pourquoi ne pas laisser... Pourquoi ne pas l'essayer, le propriétaire? Ok, ok. C'est dommage que là, il n'y a pas une petite carte pour se repérer. Bon.
jeu d'adresse. Ok. 4 colons pierres, ça va être casse-couille. Donc, no thanks. Est-ce que je peux grimper? Ouais. Oh. J'ai fait trembler le jeu en faisant une roulade. Eh, hey, toi l'ami. Bien... Allez, hop. Sais-tu que le temple du temps se trouve au nord-est du bourg? La légende raconte que le temple du temps est l'entrée du saint royaume. C'est trop terrible ça, ouais, ok. Ok. Ah, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Inventaire. Pourquoi j'ai plus le droit à ça? Voilà. 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 Bon, allez, hein. On va essayer, on va tenter notre chance. Alors par là c'est le château, château d'Irune. Tiens, j'ai cru voir le hibou d'Eric. J'espère que c'était pas le cas. Et si, retour de hibou d'Eric. Eh, Link, par ici. Eh mais il a la tête à l'envers, je dis. Sandek, comment il fait? Il a la tête à l'envers. L'expression de dire qu'on nous l'a fait à l'envers, là, c'est tout à fait, c'est tout à fait ça, en fait. La princesse est dans le château. Ne te fais surtout pas repérer par les gardes. Par ici, le temps s'écoule normalement. Mais le temps reste comme figé lorsque tu visites le ranch long ou vide. Dans ces conditions, tu devras quitter la ville pour faire avancer le temps normalement. Dis-moi, par où vas-tu aller maintenant? Il a deux têtes. C'est non, je l'appelle Derek parce qu'il est chiant et emmerdant. Veux-tu que je répète tout ça? Non. Il a deux têtes. Franchement, t'as fait quoi? T'es un malin, toi. Bonne chance, mon garçon. Tiens, je suis sûr qu'il y a un moyen de grimper. Ah, soleil. Alors, l'œil de cette statue perce le mystère de votre esprit. Est-ce que si je... Quatrième top, il... Ah, il donne l'heure. Ah, marrant ça. Ok, alors. Ok, il y a des gardes ici. Je passe par là parce que je suis un... Bande de petites gratos, va. Ok, j'imagine que c'est genre un accès à la con. Ok. Ok, donc il y a cap. Il y en a pas qu'à l'entrée des gardes. Est-ce que si je passe par là? Jamais. Je trouve un truc marrant. Alors, j'ai combien de rubis? Ok, c'est bon, je sais ce qu'il faut faire. Et vu que j'en ai pas, on va aller en chercher. Le truc d'adresse, il me faut des bombes. Car oui, on va être un sale petit enfoiré terroriste. Est-ce que c'est là? Bienvenue.
Why? Alors comment je vais les faire gratos pour... Alors je suis sûr du truc. Il faut que j'arrive à être à l'extérieur. Faut que j'arrive à aller à l'extérieur tout simplement. Que je fasse passer la nuit. Ah, une charmante gamine. Que veux-tu? Oh, tu es un garçon de la forêt. Mon nom est Malon. Mon père tient le ranch Lolon. Papa est parti livrer du lait au château, mais il n'est pas toujours frais. Bon, ici c'est mort. En fait, j'ai pensé que... En fait, ma théorie ce serait que... Tu vas grimper, espèce de gosse. En fait, ma théorie, c'est que j'arrive à aller dehors, à l'extérieur, et que après, mal. Pour une fois que c'est pas moi. Merde. Gouja, n'a pas le droit de maltraiter un petit gosse. Malouche. Ah, en tout cas, elle chante bien. Et toi, Nika, tu pourrais pas faire, je sais pas, un truc intéressant, comme distraire un garde et me laisser passer. Enfin, en distraire un. Comme ça, je passe en percé, comme un gros fourbe. Et hop. En fait, ma technique, c'est que j'arrive à passer derrière eux. Alors, lui me voit. Ok, donc on va essayer de voir comme ça. Alors. Petite gratos. Espèce de gratos. Parle à la gosse, elle doit te le fuir. Quoi, elle a un truc à me donner? Oh, chier. Bon, j'arrive, gamine. En plus, t'as l'air gentil. Et t'en fais pas, je te demanderai pas de regarder quelque chose. Vas-tu au château, garçon de la forêt? Je m'appelle Link, mais tu peux m'appeler garçon de la forêt. Prends ceci, tu en auras probablement besoin. J'en prends soin depuis longtemps. Voilà. Je me donne un œuf. On dirait que ça bouge à l'intérieur. Yeah, est-ce que tu vas faire comme dans Pokémon? Ça va sortir un Pokémon oiseau qui va me déporter où je veux quand je veux. Pas rêver. Mais n'empêche, Nika, ça sert à quelque chose. Je sais pas, moi. Tu peux pas te voir de boobs. Ok, tu me dis peut-être un ou deux trucs utiles une fois tous les 2000 ans. Ok, mais merde, quoi. Et merde, je me fais spotted. Ouais, ben... J'ai cette putain d'œuf et je me suis fait rembarrer comme un malpropre. Je l'appelle comme je veux. Si pour moi je l'appelle Nev, si je l'appelle Nika, c'est Nika, vous faites pas chier. She is Nika, she is not negotiable. Et si ça fait pas des joyeux que je la nomme Nika, alors c'est pareil, je la nomme Nika. Et en fait, Léon tire sur nomme sa fille Nika. Ah oui, je parle de ma fille depuis tout à l'heure. Kratos, Kratos.
Bon, je regarde l'heure. Ah ouais, quand même. Bon. Suivant. Alors, le garde est là. Je peux pas passer. Est-ce que si je passe comme ça... encore plus horrible que le monde d'origine. Bah justement, c'est pour ça que je l'appelle Mika. Bon, ça va être quoi le truc en fait? Je sauvegarder, les gars sont tellement utiles et c'est payé cher en plus. J'ai l'œuf, je les ai passés en gratos. Là, je vois pas c'est quoi après. Ah, ok. Bonne garde. Comme si j'avais peur à voir. Alors, ça, c'est un truc pour donner l'heure, j'imagine. On va faire comme à cette snake parce que Link est juste un copieur. Comment? Non, pas moyen de... Ah voilà. Donc allons-y. Ah bah tiens. Un feignant! Oui, qui t'arrive à avancer, Snake. Non! C'est là que je t'arrête. La MSX était bien avant la Nintendo 64. CQFD. Bon, ouais, tu dors. Bienvenue au ranch. Il est beau, mon ranch. Ah, ok, vas-y. Réveille-toi maintenant! Voilà! Non, on dort pas! Alors, bonjour mon ami, qui es-tu? Je suis garçon de forêt! Tout à fait, Adjacia! Et je suis venu au château livrer le lait et j'ai dû m'endormir. Quoi? Malon me cherche? Oula, je vais me faire crier dessus! Ouais, tu vas te faire disputer par ton enfant. Hein. Quel mauvais père. Malon n'aime pas mes petites pauses. Je ne vais pas y... Je vais pas y couper. Je vais pas y couper. Ok. Ok. Ah ok. Non, je veux pousser la caisse. On va rentrer. Non. Ok. Ok. J'ai Snake de son vrai nom David et d'abord. Bah tiens. Oh putain, merde. Ah ok, je pense avoir compris. Bah oui, j'ai compris avec les caisses, je suis pas idiot non plus hein. J'ai joué à suffisamment à Tomb Raid. Ah, elle tombe Boobs Rider pour comprendre que les caisses il faut les pousser. Hein. Tombe Boobs Rider. Mais ouais, je vous invente moi, j'arrive à vous trouver des trucs marrants. Allez, espèce de gamin.
J'attaquerai dans la... Allez, rentre. Et donc, c'est là qu'on voit que finalement Link peut être comme Snake, mais Snake est mille fois mieux. Vous rigolez quoi? Je suis en dessous là et vous me voyez pas? Je ne vois rien là. Non, mais je ne vois rien. Il n'y a pas moyen de ramper. Et je passe par où moi? Ok, j'étais jeté par là. C'est le matin. Mais monte, espèce d'enfoiré. Ah là là. Et c'est là que on a appris que ils étaient teubés. Si j'avais une table de mixage, franchement j'aurais bien aimé si j'avais une table de mixage, voir si je pouvais à la bas vite. Bon, je pense que je vais me faire choper vu que je glande. Alors, être dans un si petit format, c'est lourd. Alors, MGS. Alors, MGS, Tara, Thème. Ah. Et le mieux, je viens par là. Fallait qu'il dorme à l'entrée. Voilà. Donc. C'est dommage que j'ai pas un écran assez adaptable. Tout c'est un PC portable. Mais celui de MGS1. J'espère que vous l'entendrez. Juste réattendre un petit peu. Putain. Ah, c'est tout noir. Ah merde. Ah. Ok, mais raccourci en fait. En fait, mes raccourcis clavier pour le... Oui, je sais, faudra que je réessaye une autre fois pour penser à un thème de musique. Mais c'est pas simple quand c'est sur un petit PC portable, c'est pas forcément la joie. Oh, je vous ai arnaque. Mais la prochaine fois, je verrai pour ça un peu plus simple. Je peux pas avoir une mur. Mais c'est débile. Ah ça, je vais détester ce genre de phase. Ça, c'est le genre de truc que je déteste dans un jeu. C'est qu'il y a une caméra de merde. Y a pas genre je peux me recentrer ou autre. Et ça, je déteste. Ça, c'est vraiment un point noir que je peux donner à un jeu. C'est une caméra assez chiante. Voilà, je vois pas. Bye. Hop.
worst garde ever. Allez, bouge de là, le garde. J'ai pas que ça à faire. Ok, toi, tu viens me troller. Oh merde. Quoi? Vous avez vu? Non, mais vous avez vu, les mecs? Ils déconnent. Non mais mon cœur là c'est pire que Worst Guard Ever. Il y a un moment vous avez vu. Je suis sur un côté techniquement, ils doivent me voir. Mais ils m'ont même pas vu. Bon les rubis c'est un don qu'il y a par contre. Oh, je me mets derrière le mur. Et malheureusement je suis sûr que il sait pas faire du CQC, il peut pas tuer les gardes, il peut rien faire. Juste s'infiltrer. Pas être vu. Génial. Franchement, dès que je trouve, en fait, je vais m'arrêter quand je trouve la princesse. Parce que là, il est 20h20 et j'ai pas envie de me faire un trop long stream. C'est leur casque qui est aveugle en fait. Je suis derrière vous, mais normal. Au revoir, monsieur. Évidemment, un autre garde. Oui. Allez, maniez-vous. Gratos, 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 vous êtes gratos, la la la, vous êtes gratos. Bon, comme promis, on arrive au fin de ce stream. Je pense que ça a dû faire un checkpoint. Ouais, j'espère, sinon bah. Bon d'accord. Save. Save. Je refais toujours une deuxième fois, j'ai toujours ce réflexe. Sauvegarder. T'es sérieux? Y'a pas de checkpoint? Eh ben donc c'est qui veut dire que la prochaine fois que je reprendrai, donc j'ai à refaire le chemin hors stream, c'est ça? Merde quoi. Oh quoique non, j'ai une meilleure idée. Système. Non y'a pas option. Propose. Ah voilà. Non, je fais une sauvegarde rapide. Système. Sauvegarde rapide. Non, on verra ça sur un autre stream. Donc, ce stream s'arrête là, car comme j'ai fait plus de streams que d'habitude. C'était un peu plus long que d'habitude. Alors, si vous avez des horaires ou des jeux où vous voulez que je stream en priorité, et je voulais savoir, est-ce que vous voyez le programme que j'avais écrit? Et bah je ferai hors stream, puis tant pis. Donc, je réitère ce que je disais. Donc, si vous avez des jours ou des heures de prédiction, vous voulez que je fasse mon programme, car je ferai pas toujours que du let's play de Regarder of Time et d'autres choses. Donc, je suppose que vous voyez pas mon programme, j'en parlerai. Donc j'en reparlerai vu que vous voyez pas mon programme. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres streams. Je streamerai peut-être ce week-end ou la semaine prochaine. Mais j'ai déjà mon programme de fait. Vous inquiétez pas.